J'espère que vous allez bien. Alors, moi je vais bien aujourd'hui. Donc voilà. Je voulais vous faire un tuto parce que je me suis dit, tiens, on est bientôt fin octobre parce que là on doit être le 15 ou le 16. Parce que mes tutos, en fait, j'en ai fait beaucoup d'avance. Je vous les ai mis en ligne pour si jamais je ne pouvais pas en faire. Comme ça, je vous laisse pas sans. Donc j'ai fait plein de tutos d'avance qui sont déjà mis en ligne. Et puis du coup, j'en rajoute au fur et à mesure quand je veux bien. Hop, schlac, je vous lance un tuto. Donc là, je me suis dit, on est bientôt fin octobre, on va penser à faire les tables de Noël, les invitations, qui vient pas, qui va inviter, qui va pas inviter. Alors ça, c'est le bordel. Voilà. Est-ce qu'on va chez lui? Est-ce qu'on vient chez moi? Est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on... Alors moi, pas de problème parce que nous... Tous les 25, on travaillait. 1er janvier, on bossait. Le 24 soir, on bossait. Sauf que cette année, j'ai dit, allez hop, le 25 midi, on est ouvert. Et le 1er janvier, on sera fermé. Et le 31, on est fermé aussi. Voilà, le soir. Donc, bah nous, on sera tous les deux avec mon mari, comme d'hab, bah, vu que les enfants sont très loin et puis que bah, ici, on n'a pas de famille. Donc, on sera tous les deux. Donc, on va se faire notre petit repas tous les deux. Donc, je me suis dit, bah tiens, puisque je vais faire des petits marque-place. Vous savez, vous avez, quand vous invitez les gens, vous faites un petit marque-place. Voilà, si vous voulez placer les gens ou pas. Et puis, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un espèce de petit. J'avais vu un tuto pour faire une petite boîte. Et du coup, la petite boîte, c'était pour faire un. Comment? Un calendrier de l'Avent. Je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas faire. Un petit truc pour mettre un marque-place et puis mettre des petits chocolats à l'intérieur et puis que les gens l'emmènent avec eux. Et ben voilà, c'est fait. Un petit sac à main. Alors, c'est un petit sac à main avec dessus, vous avez, j'avais un dice. Vous pouvez le faire soit carré, la déco, soit rectangle, ce que vous voulez, hein. C'est un petit sac à main. En fait, vous mettez ici le nom de votre invité. Vous faites la déco que vous voulez. Moi, là, j'ai mis un petit papillon qui m'a été envoyé, un petit papillon livre, et puis en dessous, j'ai mis un petit papillon couleur rose. Et quand on l'ouvre, en fait, eh ben, on peut mettre des petits chocolats dedans. Voilà. Pour les gens. Donc, on le met devant comme ça parce qu'il tient debout. Voilà. Et puis ensuite, après, les gens, ben, quand ils ont leur petit chocolat, ils l'ouvrent comme ça et ils prennent leur petit chocolat dedans. Donc, voilà. Donc, petit marque-place. Tout facile à faire, tout simple et qui va très vite. Donc, allez, hop, 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 on s'y lance. Hermès, alors lui, il attend qu'une chose parce qu'il est bientôt. Là, il doit être, je sais pas, 18h. Attendez, je suis sur le téléphone, je regarde quelle heure il est. Il doit être 18h. Donc, à 19h, il mange. Vous savez, c'est comme à la maison de retraite. À la maison de retraite, moi, quand j'allais voir ma maman, bon, malheureusement, elle n'est plus là, ils attendaient la nourriture, la nourriture. Ben, eux, ils sont devant. Le frigo, parce que je leur prépare à manger, bien sûr. Aïe, aïe. Enfin bref, ça m'occupe. Donc, ils sont devant le frigo, ils attendent. Valco, il fait la même chose. Ils sont tous les trois devant le frigo, ils attendent l'ouverture de la porte du réfectoire pour aller manger. Voilà. Comme les, ben voilà, comme la maison de retraite, exactement pareil. Ou comme que j'étais en maison de rééducation, j'y suis restée très longtemps. Eh ben, moi, ça m'énervait parce qu'ils étaient tous à la porte, manger, 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 manger. Et moi, je disais, oh putain, oh, qu'est-ce qu'on va encore manger, mon Dieu? Oh là là. Donc, moi, j'étais la dernière. Je n'allais pas, mais en courant. Plein mois d'août, vous aviez de la soupe, c'était que du bonheur. Enfin bref, je raconte ma vie. Je suis pas là pour ça. Donc, oui, Hermès, il n'est pas l'heure. Tu fais comme ta soeur, tu t'allonges par terre, tu dors en attendant, voilà. Ou alors tu fais un sudoku, tu fais ce que tu veux. Voilà. Allez, hop, on y va. Oui, aujourd'hui, je suis en forme. Voilà, c'est tout. Point. On va faire notre petit marque-place pour que les invités ne se tapent pas dessus. Je vais me mettre à côté de toi, tu vas te mettre à côté de moi, celui qui se met à côté de moi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Allez, hop, on y va. Et ouais, je suis redevenue Sylvie. Je ne sais pas pour combien de temps. Hein. De il y a avant la maladie. Ouais, j'étais comme ça. Maintenant, il n'y a que le visuel qui se voit que je suis un peu. Voilà. Mais avant, j'étais très. Voilà, comme je suis là. Donc voilà, allez, hop, on y va. Parce que arrête de blablater. On fait notre petit marque-place pour mettre nos petits. Hop, tu vas t'ouvrir, toi? Pour mettre nos petits chocolats. Tac, tac, tac. Comme ça, les gens, les invités ne se taperont pas dessus. On les placera. Bingo. Allez, hop, joue bascule. Terminé. On y va. Il va nous falloir en fait des dice. Moi, j'ai pris les dice de chez Action.
Le premier, pour faire le marque-place, j'ai pris le plus petit. Après, pour faire le 3D derrière, j'ai pris celui qui est juste après. Et après, j'ai pris en fait le grand pour faire le sac. Voilà. Donc, j'ai pris ces dies-là de chez Action, mais vous pouvez prendre soit les carrés, soit les rectangles. Peu importe, vous prenez ce que vous avez, ça n'a pas d'importance. D'accord? Donc, du coup, vous allez découper vos formes qui sont devant. Donc, il en faut une petite. Hop, pour marquer le nom. Après, il en faut une derrière pour faire le 3D. Et après, il faudra celui, soit carré, rectangle, comme vous voulez, ou celui-ci, pour faire le sac. D'accord? Donc ça, je ne peux pas vous donner de dimension. C'est à vous de voir. OK? Donc, pour faire la boîte, il va nous falloir un morceau de papier qui fait, alors, 17,8 par... Alors, je l'ai marqué sur le cahier que Sandrine m'a enlevé, par 11,4. D'accord? Donc, 17,8 par 11,4. Alors, là, ici, sur votre massicot, vous avez des pouces. D'accord? Donc, première fois que je vais vous faire un tuto en pouces, mais je vais vous donner les dimensions en centimètres. D'accord? Alors, sur les 17,8, il est mal placé, mon truc, je vais le mettre comme ça, je fais comme chez moi, les filles, hein. Hop, ça c'est cassé la bargoulette, mais c'est pas grave. Donc, sur les 17,8, vous allez faire un premier pli, en fait, à 1 pouce. 1 pouce, ça fait 2, et ouais, 2, je l'ai trouvé sur une chaîne anglaise. 1 pouce, c'est ici. Vous les avez là. Donc, vous vous mettez bien comme ça. Ça fait 1,54 cm. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, si vous avez ce massicot-là ou si vous avez celui-là. Celui-ci, vous avez les centimètres ici, et l'autre côté, vous avez les pouces. Donc, vous pouvez les prendre parce que là, il n'y aura pas des 1 quart, ni 3 quarts, ni tout ça. Ça sera que des pouces entiers. D'accord? Donc, le premier, il est à 1 pouce. Donc, 2,54 cm. L'autre, il est à 3 pouces. Ça fait 7,62 cm. Donc, je le fais à 3 pouces. Vous allez dire, Sylvie, t'es chiante. L'autre, il est à 4 pouces, 10,16. Donc, je le fais à 4 pouces, 10,16 cm. Et le troisième, il est à 6 pouces, sauf que là, ça ne va pas jusqu'à 6 pouces. D'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 4, 5 et 6. Donc, du coup, je vais là. Hop, je me mets aux deux, je me mets bien droite et je fais mon pli. Voilà. Et 6 pouces, c'est 15,24. Ensuite, après, on tourne notre feuille. Sur les 11,4, on va faire un pli à... voilà, je ne l'ai pas marqué. Un pli sur les 11,4 à 1 pouce de chaque côté. Donc, on fait 1 pouce ici. Donc là, ça va être facile parce qu'on a le butoir en bas. Donc, 1 pouce. Et on va faire parallèle de l'autre côté. Pareil, on fait 1 pouce. 1 pouce, je rappelle, ça fait 2,54. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a à faire. Voilà. Donc on range notre massicot. Ensuite, après, on prend notre ciseau. Et on va couper ici. On a deux petits carrés. On va couper comme ça. Et juste faire un petit biseau ici. On va couper là. Et on fait un petit biseau ici. Voilà. Hop. On tourne notre feuille. Je l'ai mal coupée ici. On tourne notre feuille. On fait la même chose du côté opposé. Et on fait un petit biseau là. On prend ici. En plus, ça nous permet, parce que moi, ça, c'est une chute de papier, ça nous permet de prendre des chutes de papier pour le faire. Et là, ici, sur les deux autres carrés qui sont sur l'autre côté, on va faire la même chose. On va faire un biseau. On coupe là. Et on fait un biseau. Voilà. Côté opposé, on fait la même chose. Hop. On coupe là. Hop.
Et voilà. D'accord. Ensuite, après, on va marquer tous nos plis. On prend notre colle. On prend les deux petits carrés et on met de la colle. Ah bah oui, Sylvie, on met de la colle. On met de la colle. Il est bouché. Hop. Alors, on met de la colle. Les deux petites languettes qui sont sur le plus petit côté. Hop, on colle, on met l'autre, on fait attention qu'il soit bien bord à bord, on colle, on fait la même chose sur les deux du haut. Hop, on fait pareil l'autre côté. Vous allez voir, c'est très vite fait. Hein. On fait attention qu'ils soient bien l'un en face de l'autre. Là, j'ai un petit peu plus. Ah, parce qu'il était mal rentré. Voilà. Et sur les languettes du milieu. Hop, on va les faire en même temps. Mais par contre, on va, vous faites attention, on ne les met pas sur les languettes du haut. Hein. On met sur les languettes du bas si vous avez un sens pour votre papier. Moi, mon papier, il est uni, donc là, ça n'a pas d'importance. Mais si vous avez un sens pour votre papier, faites attention de bien mettre les languettes en bas. D'accord? Si votre papier il est uni, bon, ça n'a pas d'importance, vous pouvez retourner votre boîte d'un sens ou dans l'autre. Hein. Hop, voilà. Donc là, notre boîte, elle est faite. Petite boîte toute simple. Hein. Voilà, tous nos collets sont cotés. Tous nos côtés sont collés. Voilà, notre petite boîte, elle ferme bien. D'accord? Donc, sur cette petite boîte, on va venir y coller donc nos découpes. Qu'elle soit carrée, peu importe. Donc on met de la colle sur toute la boîte. Hop, et on colle. Tac. On regarde qu'on ne voit pas les petits bouts de la boîte. On ouvre la boîte. Alors là, c'est pas évident, je ne vais pas tirer dessus. Tac. Et on appuie pour coller à l'intérieur. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On met de la colle sur le fond de la boîte. Alors on fait attention de ne pas faire comme moi. J'ai mis de la colle au milieu. Par contre, on fait attention que nos côtés soient bien. Vous voyez, c'est j'ai ça, je le mets pareil du même côté. Et je le mets debout pour qu'il soit stable. Voilà. Comme là, j'ai des arrondis, qu'ils soient bien en face l'un de l'autre, c'est tout bon. Vous voyez, si vous avez des arrondis, voilà. Hop, on va faire la même chose, mais là, ça va être un petit peu plus dur. On ouvre la boîte et on vient appuyer pour coller. Voilà. Hop. Donc ensuite après, on va coller en 3D nos. Alors j'en mets que d'un côté, j'en ai fait deux, je sais pas pourquoi.
Ouais, voilà, parce qu'on n'en fait que d'un côté. Après, vous pouvez faire des deux côtés, hein. Comme là, j'en ai deux, on va faire des deux côtés. Donc, elle s'ouvre comme ça, ma boîte. Donc, du coup, on va mettre du double face. Hop. Tac. Puis ça aurait été bien de le préparer avant ça. Tac, ça je vais en avoir besoin. Hop. Donc on met du double face sur celui-ci. On vient. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est ancrer les bords. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis en train de me battre avec le bout de double face. C'est ce que j'ai fait sur l'autre. D'ailleurs, je vais le faire sur celle-là. Hop, on colle au milieu ou sur le côté, comme vous voulez. Bah, tiens, là, on va le coller sur le côté. Toc, comme ça, on mettra une petite déco là. Et puis, du coup, on va venir coller notre petite étiquette dessus. Tac. Voilà, et on mettra le petit nom. Voilà. Et puis derrière, bah, vous pouvez faire la même chose. Mais bon, là, je ne mets pas de 3D comme c'est derrière. Hop. On fait juste une petite déco. Tac. Je le mets là. Je mets ça, mais je ne vais pas mettre de nom. Alors, je vais le mettre autrement. Que ça sert à rien, je vais faire comme ça et je viendrai mettre une petite déco sur mon petit sac. Voilà, hop, et là je mettrai mon nom. Ensuite, après, vous prenez un petit morceau pour l'anse qui fait 1,5 cm par 10,2 cm, 1,5 par 10,2, et de chaque côté, vous faites un pli à 1 cm. Vous prenez votre plioir, vous faites un petit arrondi, hop, on met de la colle au bout. Ici, et on vient le coller. Vous faites attention au sens où vous allez le coller, le sens de votre boîte. Hop, on met là et hop, on colle de l'autre côté. Voilà. Tac. Que ça soit bien droit, on appuie. Voilà. Donc notre petite boîte, elle s'ouvre comme ça, hein. Donc on a mis l'anse, maintenant on va venir y mettre notre petite déco. Donc moi j'avais des fleurs de chez Bibi Craft que j'aime beaucoup. Donc du coup on va venir le mettre la dernière, hop, que j'ai faite avec des chutes de papier. Donc c'est très bien. On va venir les tribouiller un peu. Tac, tac. Tac, tac, tac. Et celle-ci, on va les mettre dans l'autre sens. Alors, je fais comme ça, sans les casser, ça serait bien. Hop, hop, hop. Alors, je vous mettrai le lien de ces petites fleurs de chez Bibi Craft qui sont mignonnes comme tout. On prend comme d'habitude notre petite mousse. Tac. On prend un petit truc, un petit crayon. Hop. Un petit crayon gomme. On appuie. Hop. Pour former notre petite fleur. Et voilà. Ça, c'est fait. Au milieu, on va y mettre une petite. Une petite voilà quoi. Tac. On viendra y mettre un petit brillant. Là, on a une petite étoile. On va mettre la petite étoile. Voilà, pour que ça fasse vraiment Noël. Après, vous pouvez marquer Joyeux Noël. Alors ça, c'était avec les fleurs. Ça vient de chez Bibi Craft aussi. Hop, on va le mettre en bas. Tac, c'est collé.
Voilà, ça fait très joli. J'ai une autre petite fleur ici que je peux venir mettre. Ben non, on va laisser comme ça. Hein. Ou je vais la mettre derrière. Comme ça sera un petit truc. Ah ben je vais la mettre dans le truc. Dans le truc rose du prénom. Bon, t'as décidé de me casser les pieds aujourd'hui, toi, la colle. Hein. Voilà. Comme ça fait joli. Hop, et ben voilà, et on n'a plus qu'à marquer notre petit nom. Là, on va y mettre des petits brillants. C'est rose, on va mettre des brillants roses. Hop. Alors, un petit brillant ici, sur le côté. Évidemment, il ne veut pas se placer. Voilà. Non, mais il n'a pas décidé ce soir, c'est pas. Voilà. Hop, le deuxième. Tac, celui-là, il s'est mis tout seul. Voilà. Pour faire notre petit sac. Et puis ici, sur le devant de ma petite fleur, on va mettre un petit brillant rouge pour ressortir. Et voilà, vous n'avez plus qu'à marquer le nom de votre invité. Je trouve ça sympa. Et en plus, vous pouvez vous servir de vos chutes de papier. Voilà. Donc, j'espère que je n'étais pas hors champ, que vous avez tout vu comme il faut. Donc voilà, donc je vous mettrai le nom des petites fleurs de chez Bibi Craft. Donc après, ça c'est les dies, hein, je vous ai dit, vous devez les avoir, ou sinon vous mettez du carré ou du comme vous voulez. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et faites vos marque-place. Bisous, bisous, ciao, ciao!